Pour les joueurs de Léon Slavagne et trois occasions pour Montpellier. Un débordement de Kader Ferraoui, entré en seconde période, et une reprise de Fabrice Diver, qui malheureusement, pour lui, n'a toujours pas inscrit le moindre but cette saison. Un coup franc tiré par le pied gauche de Fréchet et repoussé par Pérez. Et enfin, pour terminer, un autre coup franc, cette fois Pérez claque le ballon et le détourne en corner. C'est tout pour ce Nîmes-Montpellier. Des matchs ratés, ça arrive. Voilà, 0-0 dans ce derby et pas mal de cartons. 5 cartons jaunes au cours.